présenter, c'est le programme. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Oui. Je crois qu'on a 20 ans de retard en termes de mobilité. On va y travailler. Merci. Avec plaisir, bonne journée. Il y a vraiment des... Ah, je les connais bien, ils sont chouettes. Donc, regardez. S'il vous plaît, c'est une bonne lecture. Elle aime bien Simon Moutkin, la tête de liste. Oui. Et donc elle voulait être sur sa liste pour le souvenir. Et ici, je sais pas si vous voulez. Arthur est sur la liste aussi. Ouais. Hein. Oui. Alors. Je dis pas que je suis dans le compromis. Hein. Je trouve ça intéressant d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre, de remettre en question le sien, de pouvoir avancer comme ça aussi. Quoi. Je crois qu'en interne dans un parlement. C'est assez, assez important. Et puis mettre un peu de jeunesse. Donc c'est avec ce petit chevauchement, on est à plus de 100% de... 100% d'occupation. Donc là, c'est vraiment un problème majeur de la psychiatrie actuellement. Donc c'est vrai qu'en étant ici au milieu des bois, M. Baquet vous a dit que nous avons organisé un système de navette qui nous relie à la gare. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, nous avons interpellé pour qu'il y ait des bus qui nous rejoignent au centre. Et qu'est-ce que la société aujourd'hui fait mal qui fait que vous avez du boulot? Il y a le stress au travail. On travaille beaucoup sur la prévention parce que moi, en tant que médecin, ce qui est fondamental, évidemment, c'est la prévention. Mm-hmm. C'est l'objectif numéro un. En fait, tout ce qu'on met en place en termes de prévention, encore des problèmes sociétaux, si on parle de stress, de restructuration, quand on voit le domaine bancaire, c'est une catastrophe, le domaine pharmaceutique, les professeurs à l'école, etc. Et donc, on essaye vraiment, il faut travailler à la fois sur le préventif au niveau politique pour essayer de pallier, mais ce ne sera jamais suffisant parce que c'est vraiment, y a vraiment une problématique. Un mal-être au niveau de notre société qui est très très important et qui a des conséquences psychiatriques qui dépassent la Belgique. Ça devient vraiment un problème mondial et un problème de notre type de société. Quoi. Okay. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus avoir une naïveté en politique en pensant qu'on va tout régler avec la prévention. Non, 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 monsieur. C'est dans ça que je m'inscris depuis des années, c'est que notre rôle de politique n'est pas de dire aux associations ce qu'elles doivent faire, mais c'est de créer l'espace associatif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la base de l'écologie politique, de dire, en fait, nous, en tant que pouvoir public, on doit vous donner un espace qui soit financier, qui soit matériel, qui soit humain, pour que vous puissiez, finalement, de manière complètement indépendante, défendre vos causes et porter vos causes. La philosophie de base de la PAC n'a pas changé depuis l'après-guerre, en fait, où c'était il faut produire à fond. Parce qu'à l'époque, on faisait face à un problème de... Voilà, exactement. De faim. Et en fait, oui, c'est fini, c'est marrant, surproduction. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que je dirais, en plus ces dernières années, à ça se sont rajoutées toutes les questions au niveau agricole, au niveau européen. Les Verts ont beaucoup travaillé sur tout ce qui est pesticides, glyphosate, les liens avec la perte de la biodiversité, etc. Donc, on a des combats sur tous les fronts. Sur les centres fermés, il y a deux choses importantes à dire. C'est que de tous les budgets d'État de ces 5 dernières années, c'est le seul budget qui a augmenté, c'est les centres fermés. 35% de financement en plus pour la politique migratoire répressive. Quand ces personnes arrivent ici et sont au fond, se sentent comme au fond de l'entonnoir, si la situation perdure, en fait, les conditions psychologiques se dégradent. Ce qui n'était pas le cas il y a un an et demi. Et alors on est pour l'instant, je pense, dans une occupation de 1200 personnes en centre fermé sur une année. Et je rappelle qu'il y a 150 000... personnes sans papier. Donc ça montre que les centres fermés ne sont qu'un show politique ou un symbole, puisque c'est pas efficace en termes de gestion. Et c'est l'argument principal qui fait qu'Écolo défend sur 5 ans la suppression des centres fermés. Sur l'aide à la jeunesse, puis
donne la définition d'une AMO, qui a deux axes de travail, la prévention éducative, la prévention sociale, et alors on vous exposera en bref trois projets qu'on a choisis. L'avantage, c'est vraiment l'idée du législateur il y a quelques années de ça, donc c'était dans les années 90, c'était de faire une petite bulle où un jeune peut venir sans risquer d'avoir des répercussions. Donc on travaille maintenant, nous, simplement à la demande des jeunes et des familles, sans pouvoir rendre même de rapport ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de passer à la maison de jeunes. On a au moins 25-26 jeunes, tous les mercredis. Donc sans faire aucune publicité, le bouche-à-oreille fonctionne bien. Et pour nous, c'est aussi un chouette moyen de rentrer en relation avec les jeunes d'une manière un peu moins intrusive, vous voyez, qu'un travail de rue ou qu'on débarque. En fait, il y a quand même eu un facilitateur, c'est que moi je pratique le breakdance. Oh, okay. Et donc je connaissais déjà dans Brin-l'Alleud des danseurs hip-hop. Et là, en baladant principalement Saint-Zel, à la Barrière et au skatepark, je me suis rendu compte que la danse hip-hop était une demande récurrente. Donc voilà des aspects du travail de proximité, puisque c'est pas réellement du travail de rue, c'est un autre mode opératoire. Donc je me balade un petit peu dans les quartiers. Ben, c'est d'essayer de voir la demande des jeunes, voir s'il y a des choses qui reviennent, et essayer de créer avec eux des projets. Voilà, moi je travaille dans le projet Solidarité avec mon collègue Adil. En fait, c'est un projet où on regroupe 8 jeunes chaque année qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont soit en décrochage scolaire, soit en mal de projet. Voilà, c'est des jeunes qui se cherchent un petit peu et qui viennent 4 jours par semaine pour faire une année citoyenne. En fait. Donc dans cette année citoyenne, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve tout ce qui est l'aspect service à la collectivité. Dans les services à la collectivité, ils vont faire plein de chantiers. Ça peut être aller aider dans une réserve naturelle, aller repeindre les locaux d'une ASBL. Donc c'est pas forcément trouver une formation, trouver une école, trouver un boulot. C'est vraiment les aider à continuer en tout cas leur chemin et à trouver quelque chose qui leur va et un projet pour la suite. Donc nous, on essaie un petit peu d'insuffler quelque chose dans la classe. On essaie de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance pour le reste de l'année. On est un projet de lutte contre le harcèlement scolaire. On a des outils ici, ils ont été assez en demande dans la dernière école, de boîtes anonymes justement, parce que les élèves n'osent pas les témoigner d'un harcèlement. Il y a certains élèves, mais vraiment ça leur ouvre les yeux. Voilà.